avec nous. Bon Dieu, bénis-nous l'Église. Pendant que je suis là, je t'ai réfléchi sur ce qui fait un monde, un gros monde. Et je viens de comprendre une grande personne n'est pas définie ni à partir de ça le gagne, ni à partir de ça le connaît. Une grande personne ne se définit ni par son avoir, ni par son savoir. Mais vous réalisez, une grande personne définit à partir de l'impact de sa vie dans la vie des autres. Ça qu'on connaît, ça qu'on gagne, c'est pas lui-même qui définit grandeur. Mais grandeur, il définit à partir de l'impact que la vie Pau fait dans la vie l'autre monde. Et sœur Denise, il a impacté la vie Pam, il a impacté la vie par famille, moi. C'est une famille qui est toujours dans la prière, non. C'est une des sœurs qui est en pile, qui écrit en pile pour lui. Dit qui j'ai que lui béni lorsque nous avons dirigé, lorsque nous avons prêché, lui fait ça de manière courante, il fait ça très souvent. Et ce Madeleine, c'est un autre personnage extraordinaire. Moi, je voulais dire que l'Église, bon Dieu, mettez parmi nous des personnes extraordinaires. Sœur Denise, la côté que vous parlez, nous certains que la main de Dieu, il y a pas seulement avec vous. Nous avons des convictions de ça. Et comme toujours, famille, nous avons prêté nos prières. Famille Pam. Et bon Dieu, il y a pris soin parce que bon Dieu nous a servi à lui omniprésent, côté où il y a plateau, lui omniscient, il connaît tout besoin, tout ça qui a tant dans ce route-là, lui omnipotent, lui a fait tout bagaille. Et matin, moi, je voulais réfléchir ensemble avec nous autour de un sujet, mais il y a des gens qui disent ah, frère Josué qui a prêché matin, mes amis, avec une chaleur torride. Et on a dit, à qui l'heure nous pour aller là? Nous mettre quoi? M'a fait le maximum d'efforts possible pour finir là, à une heure, m'a regardé là. Et peut-être avant ça. Colossiens chapitre 4, verset 17. Un seul verset. Colossiens chapitre 4, verset 17. Et c'est là-dedans nous tirer sujet. Nous remplissez bien votre ministère. Fulfill your ministry. Colossiens chapitre 4 verset 17. Si vous jouez ni, vous appelez ensemble avec moi, et si vous parlez de jouer ni, moi-même, moi, j'ai fait lecture ça. C'est l'apôtre Paul qui a écrit et puis il a adressé le message ça. Colossiens chapitre 4 verset 17. Et dites à Archip, prends garde au ministère que tu as reçu dans le Seigneur, afin de le bien remplir. Cher Seigneur, nous comptons sur vous, nous comptons sur l'assistance, nous comptons sur Saint-Esprit qui a habitation dans notre cœur, nous, qui a aidé nous dans tout ce que nous avons fait. Et maintenant, nous en présence de parole au Seigneur, nous avons de souple. Utilisez-nous, gens que qu'on habitué à faire, préparer des cœurs qui pour dévoiler et qui pour prendre décision par la suite. Nous voulons que nous-mêmes, d'abord, touchez nous et que nous capables de prendre conscience de ce que nous avons dit et mettez parole en application au nom de Jésus-Christ de prière. Amen. Remplissez bien votre ministère. Colossiens 4, verset 17. Texte que nous sommes lits là, c'est apôtre Paul lui-même qui t'a écrit Église Colosse. Mais il t'a gagné ensemble avec Epaphras. Epaphras qui c'est compagnon de combat, apôtre Paul, parce que non et pas cité à deux reprises dans le livre ça, et dans Philémon également, non et pas cité ni Epaphras, ni Onésime, ni Philémon, ils sont sortis dans la ville ça qui c'est Colosse. Mais l'église Colosse,
certainement il était fondé avec ministère Epaphras. Mais Epaphras quittait Colosse, il y allait joindre apôtre Paul la côté que lié dans les chaînes pour l'évangile et il t'a annoncé apôtre Paul comment l'église a développé qui changement qui a produit en dedans l'église là. Il y a un bagage positif qui était fait dans l'église là parce que de croissance numérique dans l'église là. Mais cependant, tu as un problème en dedans l'église Colosse. Et Epaphras, il prend temps pour que il capable parler avec apôtre Paul pour lui dire mais qui difficulté que nous connaît dans l'église Colosse. Et certainement l'église a été connaît de graves difficultés, surtout tu as gagné des faux docteurs, ça que nous il des hérétiques, monde qui a prêché une fausse doctrine. Et apôtre Paul, dans l'être que lui a écrit l'église Colosse, il était obligé toucher tout ça qui ces différents problèmes qui gagnaient en dedans l'église Colosse. Parmi les problèmes, il y a une sorte de problème au niveau de pensée, au niveau de la raison, ça que nous avons erreur philosophique. De façon, une série de faux enseignants t'a prêché en dedans l'église là, de t'a déraisonné en façon qui allait à l'envers, qui allait à l'encontre des prescrits bibliques. Et apôtre Paul, il a écrit l'église Colosse pour lui dire, mais qui j'en la parole de Dieu, mais qui j'en l'évangile de prêcher. Il y a également l'erreur du légalisme, parce que faux docteur Sayo, en majorité, c'était des judaïsants qui étaient sortis dans le judaïsme. Ils étaient attachés à la loi, là nous dit à la loi, ils étaient attachés avec le sabbat, ils étaient attachés à conseil de viande qu'on pas doit manger. Non seulement tu as gagné un problème ça, tu as gagné l'autre problème au niveau de l'adoration des anges. Ces faux docteurs ont enseigné que les anges sont supérieurs par rapport à Jésus-Christ. Et dans l'église d'Avin, commencé à gagner trouble dans le niveau enseignement. Et le dernier problème qui t'est venu gagner, c'était concernant ça que nous relais ascétisme. Là, on dit au monde, c'est un ascète. C'est un monde qui accordait peu d'importance avec. Il dit pour eux-mêmes, quand ça c'est la source du mal, donc nous besoin négliger, nous besoin mépriser. Or, la parole de Dieu nous dit que corps nous, ce corps, c'est le temple de Dieu. Donc, tu as gagné fausse information, fausse doctrine qui t'a secoué l'église là. Et apôtre Paul, il t'a pris du soin pour que tu es capable d'adresser ce genre de problème. Ça. Et dans fait, lettre là, apôtre Paul lui fait une exhortation de manière solennelle. Solennelle parce que c'était une lettre qui a été écrite à l'église et laisse le bras lit devant l'assemblée. Et dans l'exhortation, ça, c'est lui-même que nous sommes là. Prends garde au ministère que tu as reçu dans le Seigneur afin de bien le remplir. Et c'est ça qui fait maintenant, sujet nous formuler comme ça. Remplissez bien votre ministère. Alors, premier élément que m'ta remé ouais ensemble avec nous matin, hein, c'est qui importance yon exhortation. Qui importance yon exhortation. Et m'pral prend des exemples pratiques pour que nous capables comprendre ça. Majorité moun nan nous qui là, nous gagnons voiture. Nous avons une machine. Nous. Mais la machine que nous avons, nous avons une table de bord qui informe nous de tout ce qui a passé en dans la machine. Par exemple, si nous avons un caoutchouc qui a perdu l'air, nous avons une machine qui est équipée pour ça. Nous avons un signe qui dit que ah, on a perdu l'air. Si ou pas gagné gaz commence à finir, ou capable de ça. Si ou a un problème engine, ou ouais ça. Quel que soit problème que machine, computer qui sous machine enregistré et puis il voit un message là vini dans tableau de bord là et là où est qui problème qui gagne. Et nous avons l'impression que moun lorsque a conduit de temps en temps a regardé tableau de bord pour regarder est-ce que tout bagay OK. Pour qui raison parce que si seulement une négligence qui potait eh bien gagne la vie moun qui menacée. Nous prudents dans ce sens ça. Et qui importance tableau de bord ça? Lui là pour le capable dire si
ou plus ou moins safe ou pas. Et si il y a un bagage qui pas marcher bien le ça, ou aller joindre un mécanicien pour que problème ça li capable résoudre. Et bien tableau de bord ça li là pour que li capable informer ou pour prévenir de danger qui gagnait pour venir sous une forme d'exhortation, sous une forme d'invitation ou sous une forme d'appel ou sous une forme de message quelconque. Qui est pourtant si on exhortation. M'a expliqué de manière très simple. N'a prend deux exemples. Nous disons exhortation, il est capable de considérer comme une mise en garde à ne pas laisser une ligne droite. Et m'a retourné encore avec question machine. Lorsque nous avons conduit, dans quelle que soit la route nous y pas bon ici, au moins nous avons joint deux lignes que nous devons arrêter dans le mi-temps. Nous, chaque là, c'est gauche ou fait, nous connaissons ça. Et nous devons faire tout ça qui dépend de nous pour que nous restions dans le mi-temps de l'INSA. Nous dit exhortation, premier aspect, c'est une mise en garde à ne pas laisser la ligne. Donc, à chaque fois qu'on a une tendance pour sortir en dehors de l'INSA, il y a un monde qui a exhorté qui pour dire, mais on va quitter l'INSA. Restez dans la ligne qui est tracée pour vous. Ça, c'est le premier aspect dans l'exhortation. Deuxième aspect dans l'exhortation, hein, c'est une invitation ou bien un appel pour capable rentrer dans la vraie ligne. Par exemple, si vous êtes en dehors de la ligne, il y a un monde qui a un message qui vous dit ou dehors de la ligne, ou besoin qu'on y a la rentrée dans la ligne. Deux aspects. Vous êtes aussi pour capable rester pour ne pas sortir dehors. Et l'autre là, c'est si vous êtes dehors déjà pour capable rentrer. Ça, c'est l'importance exhortation. Et dans la Bible, là, nous avons une quantité d'exhortation, une quantité que nous avons ensemble avec moi là. Quantité d'exhortation, mes commandements, soyez serviteurs les uns des autres, portez les fardeaux les uns des autres, exercez l'hospitalité les uns envers les autres, soyez bons les uns envers. Une quantité, nous avons une liste non exhaustive qu'il a avec nous matin. Tellement gagné. Commandement, tellement d'exhortation pour l'Église. Donc, quoi que nous comprenons le premier aspect, ça, lorsque nous dit importance yon exhortation. Maintenant, la locution verbale prend garde. Là, nous dit prendre garde, qui ça veut dire? Regardez comment le verset a commencé. Prends garde au ministère que tu as reçu. Prends garde. Si nous t'avons traduit ça dans bon créole, comment nous t'avons défini ça? Veillez, comme nous connaissons français, créole, les dérivés de la langue française, prends précaution, rangez corps. Par contre, quelle autre façon que nous sommes capables de dire ça? Fais attention, toujours dérivé de la langue française. Eh bien, prendre garde signifie veiller avec attention. C'est un coup, un gardien qui l'a. Un sentinelle qu'il a pour qu'il soit capable de contrôler tout ça qui gagne, qui peut passer. Ça, c'est mission. Il n'est pas de dormir, il doit rester à veiller ça qui a gagné pour arriver en façon pour qu'il soit capable d'alerter l'autre monde qui est responsable dans le domaine sécurité. Pour le monde qui est habitué avec la question de l'armée, ils ont utilisé en pile, on est capable d'expression ça. Pour monde qui dans l'armée, lorsque ça pas marché bien, lorsque autorité ben chez gros chef là apparaît, donc les gros gens disent garde à vous. Et tout nèg là prend ses macoutures, tout nèg là se mettons garde à vous, parce que on doit mettre à point, parce que gagner bagaille qui besoin fait ou besoin gagner. Tout bagaille sous contrôle. On nous garde bien. Ma pour quatre éléments ça rapide ensemble avec nous. Gardez verset à très bien ça que nous sommes là. Et dites à Archip, prends garde au ministère que tu as reçu dans le Seigneur. D'abord c'est une exhortation et c'est ça que moi déjà. Ensuite, prends garde au ministère. Quel ministère alors? Quel ministère alors? Archip c'était probablement un leader dans l'église là.
certainement pendant que me cite mot ministère en pile monde qui t'a ouais m'a parlé directement avec pasteur l'église là en pile monde qui t'a ouais que m'a parlé simplement avec diacre l'église là mais non moi aller au-delà de ça parce que un élément que nous partageons ensemble avec nous en tant que chrétien le jour de notre conversion pour pipiti bon Dieu il investit dans nous yon don et donc ça bon Dieu pas investi dans nous pour satisfaction personnelle nous mais bon Dieu il investit donc ça dans nous pour l'utilité commune. Yon ministère incertain, troisième aspect dans verset ça, c'est au ministère que tu as reçu dans le Seigneur, c'est la source de ce ministère et finalement le but de cette exhortation. Nous avons la deuxième partie là qui c'est au ministère incertain. Si c'est au ministère incertain, ça veut dire il est capable, quelle que soit activité, que yon moun ki responsabilité en dans l'église là. Songez bien. Yon nan don que bon Dieu lui-même li pa distribué à l'église, c'est don chita gade. Ma prédile encore. Yon nan don que bon Dieu pa distribué à l'église, c'est don chita gade. Moi rete quoi m'ta insulté nous en pile si seulement m'ta parlé ensemble avec comme t'a dit ou son monde inutile que ouyé. Ou pas t'a d'accord m'dis un bagage comme ça. Et lorsque on gagne corps physique que nous gagne hein, si on partie la donne qui pas fonctionner même, si on partie qui pox ou partie qui inutile que lié. Et apôtre Paul il prend exemple ça, exemple corps pour lui montrer comment corps li rete soudé ensemble. Tout simplement parce que chaque membre yo chaque a occupé fonction pa yo. Moi même qui a prêché matin, pas rempli une fonction qui plus noble par sœur charmante Alexis qui lui-même toujours a nettoyé l'église là. Pas rempli une fonction qui plus noble par celle. Ce charmante qui toujours a nettoyé l'église là, il pas rempli une fonction qui moins noble par rapport avec frère Jonas qui a joué musique dans l'église là. Frère Jonas qui a joué musique dans l'église là, il pas rempli une fonction qui plus noble par ses frères Samuel qui est responsable dans le domaine média dans l'église là. Alors, est-ce que l'église là gagne seulement question monde qui a prêché? Moun kap dirige, moun kap joue musique, moun ki responsable dans le domaine média, est-ce que c'est ça ou seulement qui gagne comme ministère dans l'église là? Et capacité ça, bon Dieu, li investi dans ou même matin. Bon Dieu, utilise, mettez-le dans ou pour votre satisfaction personnelle, c'est ça que vous croyez? Pour capable augmenter ego la caillou, mais non. Moi crois que parmi nous gagne moun l'église là qui gagne de grandes capacités et m'ka commencer mentionner quelques nan yo. Nous gagne professionnel de la santé parmi nous, gagne docteur Carl. Avant nous te kon gagne une minute. Docteur Carl m'a venu une minute là encore. L'église là besoin une minute ça. Pour prévenir nous des maladies qui viennent pour venir. Bon Dieu investit grâce li dans nous. Nous gagne moun l'exact c'est bon chauffeur que yoyé. Et combien moun l'exact pas qu'on conduit tout? Nous ka un membre l'église en plusieurs séances au lieu la dépenser comme ça dehors. Bon Dieu investit capacité là dans où? Gagne moun l'église là qui ont capacité pour prier avec moun. Bon Dieu pas investi grâce à nous pour que tout le monde reconnaisse comme des hommes de prière, des femmes de prière. Mais non, il n'est pas utile à rien si seulement c'est pour vous-même seulement le rester. Côté monde qui a abandonné l'hôpital, yo. Côté monde qui a abandonné la prison. Yo.
Gen moun parmi nous là qui évoluent dans le domaine éducation. Et côté jeunes nous qui besoin formation, qui besoin orientation professionnelle. Si c'est l'école là nous quitter qui a orienté seulement n'a perdu. Parce que moun qui a orienté en pile dans yo c'est homosexuel que yo yé. Côté couple qui l'église là qui besoin yo département qui a travaillé ensemble avec couple ça yo. Côté jeune qui fiancé dans l'église là qui besoin département qui peut travailler ensemble avec yo pour orienter yo. Alors me citer quelques exemples, mais bon Dieu il investit un don spécial dans ou même matin. Songez bien, tu commencé, une grande personne ne se définit ni par son avoir ni par son savoir, mais par son impact ou l'impact de sa vie dans la vie des autres. Ou capable grand pile connaissance. Et puis contribution dans la vie de l'autre monde vaut pour beaucoup. Ou capable gagner l'argent. Mais contribution dans la vie de l'autre monde vaut pour beaucoup. Un ministère incertain. Et maintenant, la source de ce ministère. La source de ce ministère, comme le verset a dit, prends garde au ministère que tu as reçu. Où? Dans le Seigneur. Tout ça que nous avons fait, depuis le pas sorti dans bon Dieu, eh bien, il n'est pas pour bon Dieu. Un bon exemple. L'âge de l'Éternel a rentré dans la villa, Uza, et puis, qui ça le faire, l'Ipral? Lui, elle lâche la vigne pour tomber, ça le faire, l'Ipral? Ça qui arrive ensemble avec lui? Pour qui ça le mourir? Mais il a fait un bagage qui bon, hein? Pas vrai? Mais il n'est pas destiné pour ça, il n'est pas recevoir un appel de Dieu pour ça. Mais non. Cependant, bon Dieu, tu as l'autre domaine que tu es capable d'utiliser, USA. Mais pas utiliser pour ça. Ou même, bon Dieu, capable d'utiliser pour jouer musique matin. Bon Dieu, capable d'utiliser pour diriger, même avec Sœur Robert, matin. Bon Dieu, capable d'utiliser pour prêcher matin. Nous pas dit que bon Dieu, pas jamais utiliser, il est capable d'utiliser aujourd'hui. Mais moins certain. Que bon Dieu voulait utiliser aujourd'hui dans un domaine quelconque. Alors, côté monde qui compte chanter, pour qui sa chorale a toujours des difficultés pour nous chanter, côté nous, on a fait intéressant avec belle voix. Yo. Côté FDC, nous pas Jean Moué Matin, nous récitons là. Côté jeune mesdames l'église là, qui compte chanter. Yo. Remplissez bien votre ministère. Vous avez un ministère, non, mais certes, mais est-ce qu'on remplit de manière fidèle? Est-ce qu'on remplit avec négligence? Pour côté, bon Dieu, sortir ensemble avec vous. Pour chemin que bon Dieu fait ensemble avec vous. Pour montagne que bon Dieu brise pour vous. Pour qu'on y a la preuve fait travail avec négligence. Pour ça, bon Dieu fait pour vous. Pour pas chercher un bagage dans l'église pour faire pour bon Dieu. Je suis content, moi seul nous, qui a chanté matin. Je suis content. Moins content. Alors, je connais quelqu'un qui pral dit, la peine vini là et puis qu'on a le guet en mi quoi chanter. Oui, il cherche un bagage pour le faire pour bon Dieu. Depuis tant là, bon Dieu, pas mettre pour seulement rester gardé. Cherchez un bagage pour faire dans l'église, bon Dieu. La source de ce ministère, et lorsque bon Dieu, c'est lui-même qui accompagne ou non ça, quoi, on va faire le bien. Et bon Dieu prend plaisir là-dedans. Gardez bien fait verset à lui dit, afin de le bien remplir. On nous lit ensemble avec moi dans 1 Corinthiens 12, verset 7. Bon, moi, je lis rapide pour me capable de terminer. 1 Corinthiens 12, verset 7. Et maintenant, nous lisons ensemble avec moi. Dernière partie dans Éphésiens 4, 1 Corinthiens 12, verset 7. Qui ça le dit? Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour. Pour qui ça pour?
pour l'utilité commune. Si machine nan ko gagné ou senti l'embarrassé ou pour ta ben on se on frère ou libre machine ça pas vous rien. Si bel job ça ko gagné ou pas qu'à contribuer dans la vie au petit monde en Haïti qui besoin pour moi à l'école, li pas vous rien. Si bel job ça gagné ou qu'on on se on frère l'église qui dans situation difficile ou marre comme l'on côté ou dire ou a pété le prier, li pas utile rien. Bon Dieu investit grâce li nan nous pour l'utilité commune. Alors Mathieu m'a amené nous réfléchir sur ça. Qui ça bon Dieu ba ou kembe même? Pas dim ou pas tal l'école ou pas moun savé. Quel que soit moun que ou yé, bon Dieu met ton bagay nan men on. Et bon Dieu mettez le parce que li konne ou a besoin. Alors m'a fini avec un exemple nan kom. Qui parti m'a dit nan kom la qui pas vaut rien? Bon prend exemple le pouce. You know. On ka di li pa vo rien. Mais est-ce que le pa vo rien? Li vaut quelque chose. On ta di zore mwen pa vo rien. Écoutez bien. Gen parti nan kò nou, nou pa même rann yo compte si yo la même. Combien fois n'a pensé dans journée an, nou est nous même qui pa gen pied. Non, seulement nous on a marché. C'est quoi bon problème dans pied ouais importance pierre. Mais pierre était toujours important. Ça bon Dieu investit dans ou elle toujours important. Bon Dieu toujours tant de service li la service ça la caille. Et lorsqu'on pas porter contribution ça l'église a souffri. Et bon Dieu a tant li nan mais ou t'as ramé c'est prêcher pour prêcher. Mais non, bon Dieu, pas destiné pour prêcher. Bon Dieu, destiné pour aller au monde qui est malade de l'hôpital. Allez. Ou t'es vrai, c'est vous-même qui pour aller à l'hôpital là, mais non. Bon Dieu, t'es destiné, c'est vous-même qui pour conduire, pour aller chercher le monde qui n'a pas conduire pour venir dans le service là. Nous, chaque bon Dieu investit yon capacité dans nous. Et quoi? Lorsque bon Dieu investit dans nous, nous avons fait intéressant avec ça. Bon Dieu investit dans nous, nous avons perdu et bon Dieu a remplacé l'autre monde. Pas de monde qui est indispensable dans le travail. Bon. Nous t'amènons nous réfléchir dans ce sens-là. Moi, quatre choses. D'abord, c'est une exhortation. Importance exhortation. Deux, un ministère incertain, ça veut dire, il est capable, quel que soit ministère dans l'église là, parce que bon Dieu, il fait préparation déjà dans où, il investit dans où déjà. Troisièmement, c'est source ministère ça. S'il n'est pas sorti de bon Dieu, il n'est pas veut dire, hein, ou là pour bailler chaud. Mais le pape utile en rien. Et quatrième bagaille là, c'est faire sûr que ministère que bon Dieu confie ou là, responsabilité que bon Dieu ba ou a, capacité que bon Dieu ba ou a, faire sûr que vous faites le bien. Je suis content pour Jean Moué, website l'église là, je suis content. Ça, c'est un bagaille de qualité. Monsieur fait ça avec soin. Bon Dieu, l'investissement capacité dans vous, faites tout ça que vous faites pour bon Dieu avec soin. Et lorsque vous le faites avec soin, ce n'est pas pour votre satisfaction personnelle, mais vous le faites pour l'utilité commune. Bon Dieu a pris gloire et vous mettez quoi? Bon Dieu a béni en retour. Que bon Dieu bénisse.